quand on n'a pas eu cette opportunité de dire des choses depuis longtemps et qu'on apprend maintenant, enfin qu'on a l'opportunité de la dire, ben, c'est devenu pour moi le slam une sorte de libération en fait. Et une manière de représenter des gens, pas forcément les femmes, mais tout le monde. Et ça, je trouve ça juste génial, quoi. Donc le slam, c'est tout pour moi. C'est ce qui me définit tellement, parce que quand je me mets sur scène, que je raconte des choses, que je dis des choses, que je vis des choses, c'est tellement passionnant. Et je trouve que ce serait tellement... simplifier de dire que c'est juste ma passion. C'est aussi la passion de tout le monde, parce que c'est aussi la vie de tout le monde qu'on raconte, et voilà. Je m'appelle Lukil Moritava, j'ai 24 ans. Bientôt 25, je suis slameuse, métisse comorienne malgache. Moi, ma mère, elle est malgache, mais elle n'a pas vécu à Madagascar, elle ne parle pas un mot malgache. Du coup, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai déclamé, ça ne vient pas d'elle. Mais lorsque justement j'ai connu le slam, il y a eu comme cette envie de partager aussi l'histoire de ma mère, et c'est à partir de là que je me suis mise à apprendre un peu sur le malgache, et ça vient en fait naturellement, et je trouve ça tellement merveilleux, tout comme je le fais en comorien, tout comme je le fais en arabe, tout comme je le fais en anglais, tout comme je le fais dans toutes les langues du monde. Alors déjà, le mot engagé, c'est quelque chose que je dirais j'ai appris récemment. Je ne savais pas que j'étais engagée, je le tiens de vous, de tout le monde qui me dit ça. Mais je dirais que ça fait partie de ma personnalité, c'est-à-dire quand tu étais resté silencieux aussi longtemps et que tu veux, à un moment donné, tu as trouvé l'opportunité de t'exprimer, ça vient comme ça, et voilà, c'est par là que ça devient de l'engagement. Mais ce n'était pas quelque chose de vraiment préparé, c'est venu comme ça.